Nous-mêmes, au niveau de RNDDH, nous vraiment déplorer ça qui passe, mais nous estimons tout que y a une pile considération que nous avons fait pour nous capables d'analyser ça qui passe. L'organisation qui a défendu le droit de l'homme, pas bon ici, paraît être bouche bée sous massacre canarin 26 août 2023, qui peut aller la vie plaisir que c'est vivant. Madame Rosie Auguste du Sénat, qui est responsable du programme Réseau national défense droit de l'homme, RNDDH, by autorité judiciaire, ministère Kilt, et Fédération protestante, responsable canage SILA. Premièrement, on a rappelé pour tout le monde que pasteur, c'est publiquement que l'été a annoncé que l'il pourrait faire marche ça, manifestation ça, et l'été clairement tout annoncé objectif que la poursuivre. C'est-à-dire aller affronter gang armé dans Canaan pour déloger chef gang Canaan qui c'est Jeff Laos. Pour nous-mêmes, l'éclair, ça le fait, c'est une incitation publique à la violence. Une incitation publique à la violence passée. Ministère de la Justice a pour deux voies rapidement pour te instruire un commissaire gouvernement pour demander de stopper pasteur, stopper action ça que pasteur a besoin de mettre en œuvre là. Deuxièmement, nous estimons que le ministère des cultes avec toute fédération protestante d'Haïti te doit relayer pasteur à rappeler limite li, faire songer que chaque grain de vie fidèle c'est sous compte li que et que li pas gagné droit pour aller mener fidèle dans opération hasardeuse ça. Troisième considération, les policiers qui yo même gagné entraînement, yo gagné tactique, yo gagné zam nan men. Yo même yo pas entré Canaan al derrière bandi armé et que yo d'accord que son population qui li même gagne bâton nan même avec manchette nan même qui pour aller faire face carré avec des bandi armé yo même qui gagne gros âme fond fois là nous pensons que la police a l'irresponsable. L'irresponsable parce que te doit vraiment sommer moun yo tourner faire moun yo tourner forcer yo tourner. Trouver que c'est encore grave que le responsable de la police là parle de manifestation spontanée, pas de aucune spontanéité dans un zak côté que moun qui dit li pral faire zak là li annonce et que information t'a circulé sur réseaux sociaux. Donc pour nous même au niveau de RNDDH nous était quoi que gagner en pile responsabilité qui pour fixer parce que à bon côté parler il y a responsabilité par rapport au fait que li mené tout moun sa yo à la boucherie et certainement bandi armé yo qui te kembe zam nan men yo qui t'a touye moun yo bandi armé yo qui gen gazoline nan men yo avec du feu nan men yo t'a mette sou moun yo yo responsable. Militant toi moun nan di faut gen mezi ki pran pour force ligne fait sous dossier ça même si toutefois pour qu'on gen bilan sous quantité moun qui mouri nan massacre ça. Faut pasteur a ta expliqué pour qui ça est-ce que li traversé par exemple chef gang qui opérait et qui contrôlait Cara 2 côté l'église li aïa là n'a parlé de chef vite l'homme innocent qui nan tête gang crasé barrière et les pour rive Canaan tout li passé nan base plusieurs l'autre chef gang donc nan objectif li te gen fixation nou ta di sous Canaan et nous pensons que en fait l'état doit bail information pour qui ça c'est Canaan pour une fois autorité yo va faire ça que lui fait justement pour joindre toute lumière non seulement sur qui est ce qui était là combien monde qui victime parce que c'est des monde que yo yé yo gen maman yo gen papa yo gen petite yo gen famille faut que nous connaît dans qui condition que yo mouri et monde qui responsable faut que juger yo et condamner. Cependant commissaire gouvernement juridiction Kwale Boukia Zamor Roosevelt fait qu'on est déjà mettre action publique en mouvement contre leader religieux Makorel Zidor du pasteur Mako depuis Port-au-Prince moi c'est Marcel Ovenme pour VOA créole.